Comme nous l'avons vu sur cette vidéo, tomber sur Vanika Duruel, c'est pas rien. Être deuxième, c'est encore bien. Voilà, Volvicomte, une 12 classique par Nard de Béval, autant pour moi, et Nina du Beauvoisin, qui est par Blue Yes America. Estimé dès l'âge de 2 ans, il n'est choix que d'un rien face à la championne Vanika Duruel. Nous l'avons vu en image dans le Critérium. Dès 3 ans sur 2700 mètres et confirmant à 4 ans dans plusieurs semi-classiques, il remporta aussi une batterie qualificative du Grand Prix de l'UET et oui, le groupe 1 que tout le monde voudrait bien, avant de se classer 3e de la finale en 1-11 sur 2140 mètres à Solvalla, derrière le champion Mosaic Face. En résumé, c'est un sujet complet, alliant vitesse et tenue, comptant parmi les meilleurs de sa génération en Europe. Son père est le très améliorateur Nard de Béval. Sa grand-mère maternelle est la classique Rose du Beauvoisin, où l'on compte un triple inbreeding sur nos chefs de race Fandango 4x5, Carioca 2, 3x5. Enfin, 5 x 5, 5, bien sûr, et Kerjac, 5 x 5. Un autre de leur allié américain, Star Pride, 7 x 5. Un joli cheval B aux allures faciles, parti courir en Suède en 2015. Et il n'a pas fait la monte cette année-là, mais il est revenu exercer sa carrière d'étalon en 2016. Ses premiers produits sont des 2 ans en 2017. C'est un étalon génotypé. Voilà pour Volvicomte. Et il fera la monte dans la Manche au haras de 20 pour 1 500 €. Poulain vivant, bien évidemment. Volvicomte, voilà, dont le grand-père Ganymède n'est plus à présenter. Merci beaucoup pour Volvicomte, c'était le numéro 65.